Après, les bûches par terre, c'est des grandes. Tu fais ça, et puis... J'aimerais vraiment, avoir une commande pour supprimer les bûches, là. Putain, s'il y a des lattes de plancher dans l'histoire. Vas-y, on va faire un peu de lattes de plancher. Elle, elle va me prendre que des bûches. Putain, j'aimerais qu'ils arrêtent les mises à jour, que je puisse installer le shit, comme ça on n'en parle plus. Que je suis sûr j'aurais pas ce problème de bûches qui traînent partout, il n'y aura pas ce souci. Ah cool, une musique que j'ai envie d'entendre. Parfait. Ok, bon bah là c'est de l'angle droit, hein. C'est nul à chier, hein. Alors, on va partir comme ça. Voilà. Ensuite, comme ça. Sur la chaise, ça commence à devenir chiant. Putain d'avion là, et puis moi je dis rien en plus. Bah je me tais alors. Comme ça vous entendez pas les avions. Ah mais j'ai pensé l'avoir désactivé ce truc. C'est relou. Et du coup faut que j'appuie deux fois sur des mutes, comme ça l'enlève. Mais je voudrais juste qu'il apparaisse pas quoi. J'ai regardé dans le truc directeur graphique, j'ai désactivé ce truc, c'est pas ça du coup. J'ai désactivé les raccourcis clavier qui font que ça active les machins, mais ça a pas marché, c'est super. Ok. Donc, là il y a un angle droit, c'est facile. Non mais t'es débile ou t'es con? Je suis en face, là, là. Pourquoi tu vises derrière? Pourquoi tu vises derrière? Pourquoi tu vises derrière? Montre-moi pourquoi. Putain, mais c'est... C'est insupportable. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus d'animation pour poser les trucs Genre... Ah si. Tac. Ça c'est facile, hein. Par contre là... Voilà, merci. Un peu plus, voilà. Il allait m'énerver. Là faut mettre tout de toute façon, voilà. Hop. Bâtard de merde. Ok, il te plaît pas celui-là. Et si je fais ça et que je fais
ça. Aïe 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 aïe. Ok, j'ai compris. Putain, faut tout refaire quoi. T'es vraiment un bâtard. Ouais, ça peut peut-être le faire. Ok, et là, tu dis quoi? Fils de pute. Et si je passe par là? Genre comme ça? Oh putain de merde. Vas-y, monte-lui parce que tu m'emmerdes. Bah fais ça comme ça alors. Bah niquer ta mère Il est con celui-là. Du coup tu vas me faire faire de la merde là. Ok. Faut que je fasse tout ça, tous ces carrés, après je vois. Donc, déjà j'ai monté ces trucs. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu fais des animations bizarres, arrête. Donc là, faut fermer le carré. Là, tu fermes le carré. Là, tu fermes le... Attends. Fais pas n'importe quoi, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Là, tu fermes ce carré. Là, tu fermes ce carré. Ok, là tu crées un autre carré, là aussi, là, tu vois quand tu veux, voilà, regarde, ça va tout seul là. Ok. Ok, alors attends, j'ai une idée de fou, attention, hop. Ensuite ça fait hop. Oh la dinguerie. Oulala, attention. Attention c'est fou. Oh là. Bon, je sais pas comment je vais faire ici, c'est compliqué, mais attends. Chaque chose en son temps. Et du coup ça, c'est aligné à ça en face. On est d'accord? Attention parce que c'est de beau gosse hein. Oh là 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 là, attention. Le mec, il est parti d'ici, il a fait le tour comme ça, et il a réussi à rejoindre là et là. Attention. On est sur du professionnalisme, là. Regarde l'autre con, là, caché au milieu du lac. Ok, alors là, j'aurai un trou. Mais, c'est pas compliqué. J'arrive, je fais ça, et il n'y a plus de trou. Voilà, par exemple. Mais, là, j'aurai un trou. Donc, est-ce que c'est bien de mettre celle-là ou plutôt une autre? Alors, en vrai, je suis obligé parce que sinon je pourrais pas boucher le trou ici. Donc, pour boucher le trou ici, je suis obligé d'aller jusque-là et de fermer le carré. Et là, le carré, il passe dans le truc. Du coup, il déborde pas et il ferme le... Ok. Alors, monte tout ça, là. On va fermer les carrés, déjà. Ouais, donc faut pas juste faire n'importe quoi. C'est pas genre la mécanique, guignolos. Non, tu fais ça proprement quand même, parce que sinon, ça va pas marcher. Quoi. Ok. Alors là, si je mets ça, ici. Ah, j'ai vraiment un problème avec ça. Parce que, là pour fermer, faut que je sorte. J'ai pas envie de sortir. Donc c'est pas bon. Donc faut que je parte de... Là il y a le carré. Là il y a le carré. S'il te plaît, mets le carré. Putain, les flèches blanches sur la neige. Ta mère. Ok. C'est quoi ça? Ok. Ok, là il est carré. Là il y a le carré, là il y a le carré, là il y a le carré.
là il y a ça qui bouche le trou, là j'ai un trou donc je prends la même chose pour boucher le trou. Tac. Hop. Hop là. Nickel. Et là, pour boucher ce trou, il me faut ce carré-là. Voilà, comme ça, on ferme le carré. Et là, j'ai un trou. Oh, on peut même laisser un trou au milieu, comme ça, et tout. C'est stylé. C'est stylé, quand t'as vu sur l'eau, et tout. Tu pêches par là. Bon, on n'a pas de canne à pêche. Oh, putain. Je m'occuperai, on verra ça ce soir, j'irai dire aux développeurs ce soir. Je leur passerai un petit mot. Qui met une canne à pêche. Ça d'ici là tu pêches et tout. Mais là est-ce que je le ferme ou pas? Parce que il est plutôt pas mal arrondi en fait. Ah attends. Ah non attends, je crois que c'est dégueulasse. Et il n'y avait pas eu. Free caméra là. Ouais voilà. Ouais voilà c'est. Oh putain. Attends parce que c'est. Ah ouais c'est. Non attends je suis en ZQSD mais là c'est W. Oh là là sa mère. Et ça bouge pas avec la souris. Alors attends. Comment on avance? Ok j'ai trouvé. Oh là là attends. Attends. Oh putain. Ok. J'ai un chiotte. Oh putain, j'ai fait un chiotte. Bon, bah, je vais fermer le trou. Comme ça, ça fera pas un chiotte. Merde. Première construction arrondie, j'ai fait un chiotte, quoi. Attends, parce que c'est pas... Ah, c'est Q pour aller en arrière. C'est A pour aller de ce côté, c'est E pour aller comme ça, c'est Z pour rien, c'est D il va là, ok, et S il va ici. Ah, S il recule, et W il avance, et Q il recule en descendant, je comprends pas. Oh putain, ah si avec le clic de la souris, on... oh bordel de merde, on peut même voir comme ça, oh c'est cool. Ah, il est bien un jeu comme ça. Oh, je pourrais même voir mes maisons dans ce sens-là. Ça va être marrant, ça. Ah oui, c'est la tête du personnage qui... On voit, il est penché en arrière. Attends, faut que j'essaye de me rapprocher. Attends, c'est Z? Non, c'est W. Non. Ah bah non, ça doit être... Ok, elle bouge pas. Ok, donc ça c'est un chiotte, c'est ça? Ah ouais, mais là c'est inversé, putain. Oh, c'est dégueulasse. Ok. Mais sinon, il est plutôt symétrique, mon rond, non? Si je le mets plus par ici, voilà. Oh, il est beau, hein. Il est beau. Bon, comment on enlève la frie, là? Bah, fricamoff. Hein. Ok. Oh putain, c'est gerbant leur truc. Donc là, si je veux boucher tout ça, le problème c'est que si je fais un truc tout droit, j'aurai des trous sur les côtés. Attends. Sauf si. Bah, je les fais rejoindre ça en fait. Putain, mais c'est aussi simple que ça. Regarde, je rejoins ici. Ok, d'accord. J'ai cru voir une diagonale en haut en plancher, il m'a fait peur. Ok, là tu vois ici, c'est facile en fait. C'est casu, hein, hop, ça monte tout seul. Hop là. Hop là.
Voilà, comme ça tu fermes le carré. Voilà, carré fermé, carré, 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 carré. Ok, tout est carré. Là, il faut... Ah putain. Et pourtant, là, tu... Tu as mis une barre. Il y a quoi, y a un poil de cul quelque part? C'est quoi ça? Non. C'est compliqué si c'est à base de poils de cul. Et si j'enlève ce poteau parce qu'il a l'air de gêner, non? Un truc pour fermer ici du coup, donc celle-là malheureusement bah ah si je passe par elle peut-être, attends, non voilà celle-là mais l'autre c'est genre regarde, genre je vais te montrer, regarde, je vais te montrer genre tu fais ça voilà, genre tu mets un poteau là, voilà, genre un poteau ici en fait, voilà, c'est tout ce que je voulais moi. Maintenant tu fais ce que tu veux toi, hein. Et personnellement, moi je veux un poteau ici. Donc, voilà, maintenant que j'ai mon poteau ici, tu mets la barre ici, et tu vas niquer ta mère, voilà. On fait ça comme ça? Et ouais, et pardon, tu mets une barre ici. Oula, attends. Là, ici là. Eh bah tu mets pas de barre, je m'en bats les couilles, le plancher il sera comme ça, et puis il est relou lui, hein. Voilà, là tu fais le plancher, non mais dans l'autre sens. Voilà, non mais dans l'autre sens. Donc tu fais le plancher, voilà, comme ça, voilà, comme ça. Là aussi, voilà, comme ça, comme ça. Et là... Oh, je vais le défoncer. Vous savez que ce jeu a été fait comme ça, pour respecter vraiment, pour pas qu'il y ait de bugs, pour pas qu'il y ait de problèmes au niveau des planchers, pour pas qu'il y ait des espaces, voilà. Et du coup, techniquement, les bûches, quand tu les poses, elles sont de la même taille, hein. De la même taille, au millimètre près, c'est censé être de la même taille pour pas avoir de problème. Sauf celle-là. Cette plateforme, elle n'était pas pareille que les autres. Des fois, ça arrive que ce soit un micro-poil de cul en dessous, et ça nique tout. Ça nique tout. Mais sinon, on est bien codé, le jeu. Hein. Et au pire. Et là, je vais avoir un problème, parce que là, j'ai un trou, c'est ça? Et du coup, là aussi. Ah, et là, on voit que c'est pas symétrique, en vrai. Ok. Bon, dégueulasse quoi. D'accord. Non? Enfin oui, mais après. Vas-y, fais celui-là. Voilà. Vas-y, pose ça. Voilà, fais l'autre là-bas. Là. Voilà. Bon, ouais, nique ta mère, et puis... C'est quoi, ça dépend d'où je regarde, ça dépend de quel but je... Non, c'est comment? Comment ton délire, en fait? Ok, dans ce sens-là, parce que je sais pas... Alors, si je regarde là, comme ça... Ok, et de ce côté? D'accord, je voyais pas la flèche. Et de ce côté? Je vois toujours pas la flèche. Bon, c'est pas grave, on va voir. On va passer à autre chose après, on verra. Voilà, ça, comme ça, et puis... Voilà, et puis il y a toujours un trou là.
fait ça comme ça. Bah, y'a plus que toi. Hein. T'es le dernier. Donc, moi, je te conseille un truc. Tu veux aller dans ce sens-là. D'accord. Et si je fais ça? T'es niqué là, hein. T'es obligé d'aller dans ce sens-là. Hein. Le fist. Quoi? Et c'est quoi ça? Attends. C'est quoi, c'est un bug ou c'est quoi ton délire? Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi? Pour quelle raison? Ce serait pas à cause de l'escalier qui gêne et que... Attends, parce que la bûche elle gêne quand on passe l'escalier ou quand on ouvre des portes. Attends. Un escalier par exemple qui arrive de... Hop. Toc, tu fais ça. Attends. Ouais, voilà ça. Attends. Tu tapes un escalier comme ça. Oui, d'accord. Mets-toi droit, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ils sont pas alignés, tes poteaux. T'as respecté ton trait, mais tu t'es enculé tout seul. Tac, t'as un escalier, d'accord. Blabli, voilà, un escalier avec des marches. D'escalier, s'il te plaît. T'as un escalier, tout ça. Et t'as le problème de cette merde. Mais est-ce que ça règle le problème de cette merde? Non. Mais alors pourquoi? Pourquoi faire ça? À quoi ça sert? Oh attends, je vais faire mieux que ça, regarde. Ouais bon, il m'a saoulé. Mets le poteau. Il pète les couilles hein, quand il fait des trucs de merde là. Voilà, vas-y, mets le poteau. Voilà, animation, tout le monde s'éclate. Ok, voilà. Fais voir une latte de plancher là. Ah, ok, il faut des bûches pour poser un plancher. Mais ça me dit toujours pas à quoi ça sert. Quelle est la raison de ce truc? Peut mettre des murs là-dessus? Non. Est-ce que c'est pour tirer des ziplines? C'est pour faire un truc de tyrolienne, c'est quoi? Quoi ça sert, bordel? J'avoue que ça peut être cool pour les tyroliennes, mais... Ouais, bon, là, ça marche pas, je suis trop bas, mais... Que ce soit sur une bûche ou là-dessus, ça change rien, en fait. C'est bien leur truc, ça peut donner un style pour certaines constructions, mais... Ça n'a pas une utilité. Parce que là, j'arrive pas à trouver. Hein? Oh, c'est pas au point. On peut installer la toile. La toile, quelle toile? Ah, la bâche. Ah. Intéressant, peut-être. Pour faire un récolteur de grandeur nature. Ils auraient écouté mon idée que j'ai balancée au début là, faire un récolteur grandeur nature. Ce serait cool, mais... Même pas. Oh, vous êtes nuls.
Ah, vous êtes nuls les développeurs. Hein. À quoi ça sert votre truc? Mais à quoi ça sert, putain? Du coup, salut à toi, Black Aries. Ouais, c'est peut-être un truc pour plus tard, mais ouais, là, franchement. Un câble électrique, ça fait quoi avec un câble électrique là? Vas-y, parle des câbles électriques là. Ils sont les. Hein? On peut faire quoi avec les câbles électriques là-dessus? Parce que le poteau, oui, c'est logique, mais après. Ah, je comprends pas. Je comprends pas à quoi ça sert. C'est un truc de fou. Pour mettre un panneau solaire, non? Non, ce serait stupide, mais ok. Je sais pas, moi. On peut mettre des barrières dessus? D'accord. Peau d'animal? Où sont les peaux? Est-ce qu'on les récupère maintenant? Est-ce qu'elles sont quelque part? Carapace peut-être. Sont les peaux parce que y a celle-là, la peau de. Ah ouais, il y a juste la peau de bêche. On peut que combiner avec. On peut même pas la poser, la prendre dans les mains. Ah, je vois pas, putain. Carapace, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, elle est dégueulasse, merci. Non, on peut pas la poser, non. Alors là, j'en ai aucune putain d'idée. Je viens de trouver une mécanique, je sais même pas à quoi c'est. Je suis en train de me prendre la tête sur une mécanique de fou, et le jeu il me fait chier avec une mécanique qui est même pas finie en plus. Elle est même pas finie leur mécanique, elle tient pas. Elle tient pas. Attends. On peut pas faire des plateformes volantes avec ça hein. Putain, mais ça sert à quoi leur connerie là? Attends. Tu veux bien mettre. Non, mais là, là. Non, parce que c'est plus bas que la marche. Donc ce serait complètement con, mais ça boucherait peut-être un trou, non? J'en sais rien. Là, je pousse, franchement, je cherche à comprendre. Hein. Mais là. Du tissu rouge. Ah ça. Ah ouais, merde, attends, j'ai plus le truc. Ah cool. Je voulais entendre cette musique aussi. C'est parfait. Non, parce qu'en plus c'est des petits bouts de tissu, ça sert à rien. C'est vrai qu'on peut les prendre. Ah oui, c'est parce qu'on peut faire les torches avec. C'est pour ça qu'on peut les prendre dans les mains. Bah. Avec une grenade peut-être. Regarde, avec une grenade. Regarde. Hop. Ah ouais, c'est vachement plus utile du coup. C'est de la merde. Donc ça sert à rien pour le moment. Peut-être on peut. Je sais pas. Je sais pas. Je verrai, peut-être après je pourrais en caler un quelque part. Et je verrai bien. Bon alors, comment je bouche mon trou là? Du coup c'était la page de pub. Voilà. Ouais là j'ai le problème de. Ah, mais là aussi il y a des trous à boucher techniquement. Attends, ça se passe comment? C'est dégueulasse. Ah oui, c'est parce qu'il voulait. Pas. Oui, c'est parce qu'ici il a pas pu, ouais, il veut pas fermer parce que je sais pas. Il y a un truc qui lui plaît pas. Est-ce que ce serait ça qui est mal mis ou. Oh le bâtard. Il fallait que j'enlève pour le remettre quoi. Ou alors il me fallait une bûche dans les mains pour que ça marche mieux qu'avec avec la marche.